Hello, abonne-toi sur cette chaîne. Et ici, c'est pour entrer dans les détails clairs de la bourse d'excellence Eiffel et portée par l'une des universités qui est aussi en charge de cette bourse, l'Université Paris-Saclay en France. Ici, vous aurez les documents à fournir. Vous devez connaître les documents qu'il faut fournir. Donc, comment composer son dossier pour la bourse Eiffel pour chaque niveau, pour le volet master et le volet doctorat. Donc ici, ce programme appel à candidature, ce qui nous intéresse là, c'est 2022 pour rentrer académique 2023 et les critères d'éligibilité, bourse de niveau doctorat, doctorat de nationalité étrangère, moins de 30 ans, ou de niveau master, étudiant de nationalité étrangère, moins de 25 ans. Donc, en formation, master ou ingénieur dans les domaines sciences de l'ingénieur. Sciences politiques, droit, économie et gestion. Il faut être candidat pour la première fois. Donc, non cumulable avec une autre bourse du gouvernement français. Donc si vous poursuivez à Eiffel, faudrait pas que vous soyez encore candidat à une autre bourse, autant pour moi. Si ça chevauche et quand vous avez réussi deux bourses, vous aurez des comptes à rendre du côté de la France. Durée de la bourse. Donc déjà 36 mois pour l'ingénieur. Montant de la bourse. Volet niveau doctorat, allocation mensuelle, des montants de 1 400 euros, 1 700 euros à compter du 1er janvier 2021. Dans ces numéros 2022, volet niveau master, allocation mensuelle de 1 200 euros, autant pour moi, donc, en arrondissant. Comment postuler? Étape 1. Vérifiez votre éligibilité en lisant le vademecum de Campus France. Donc vous irez à Campus France, vous aurez cette étape 1, elle est très facile. Étape 2, sélectionnez votre formation. Pour le volet master, choisissez une formation dispensée à l'Université Paris-Saclay, liste des masters. Donc vous allez voir que cette université peut vous offrir une liste des masters de différentes formations ou vous pouvez choisir déjà ce que vous allez faire. Parmi toutes ces listes-ci, vous aurez chimie, biologie, communication, contre design, droit, santé, droit des affaires, droit notarial, droit privé, beaucoup, beaucoup, beaucoup de filières à Paris-Saclay. Donc ici, pour le volet doctorat, vous devez être obligatoirement en co-tutelle ou co-direction et fournir la convention de co-tutelle ou une attestation de co-direction signée par les parties françaises et étrangères. Étape 3, préparez votre dossier de candidature. Les documents devront être impérativement traduits en langue française ou anglaise. Donc, ceci est facile. Pour le volet master, le dossier de candidature devra obligatoirement contenir lettre de motivation du candidat, curriculum vitae, copie des relevés de notes depuis l'entrée dans l'enseignement supérieur. Copie des relevés de notes depuis l'entrée dans l'enseignement supérieur. Très important. Quatrième point, classement académique de l'année précédente obligatoire. C'est un document obligatoire pour postuler à la bourse Eiffel. Cette bourse étant une bourse d'excellence, le jury a besoin de connaître le classement de l'étudiant au sein de sa promotion. Si votre université ne délivre pas systématiquement ce document, il faut demander au responsable de votre formation de faire une attestation signée mentionnant votre classement. Donc c'est très simple. Cinquième point,
lettre de recommandation. Donc, la lettre de recommandation, elle est très simple aussi d'ailleurs. Volet doctorat, une présentation du projet de thèse et ainsi de suite. Attestation de co-direction au co-tuteur de thèse, lettre de motivation du candidat, coucou invité, copie des relevés de depuis, l'entraînement dans l'enseignement supérieur, classement académique, ainsi de suite, et lettre de recommandation. Quatrième étape, compléter le formulaire de candidature en ligne avant lundi 7 décembre à 23h59. Le formulaire est désormais clôturé. En attendant l'ouverture de celui de 2022, vous devez déjà prendre le copier acte. Pour ceux qui veulent le vademecum 2021, c'est bientôt, ça c'est 2020. Donc vous aurez pour 2022 bientôt pour voir les, comment ça se passe. Donc c'est un programme que Campus France met. Vous aurez beaucoup, c'est un peu comme celui-ci. C'est une répétition de tout ce que vous aviez vu dans tout ce qu'on vous a exposé tout à l'heure. Un peu plus détaillé dans. Processus de sélection. Clique sur le lien à la barre de description et like la vidéo. Partage si le contenu t'intéresse, c'est par là que nous prenons acte avec vous.